Là où les bas blessent, la démarche de Bakola a été une mauvaise démarche. Comment ça? C'est qu'il a fait une pire inscription. À l'objet que Azana combat, après ça, Mbongo, pour se préparer à gagner le combat. Après ce Mbongo, on se rend compte qu'il n'y a pas de combat. Ça veut dire quoi? Une escroquerie. Ce que Bakola a fait là, il a abusé de la générosité de l'État congolais. Il a abusé notre foi. Quand on a dit qu'on est dans la télévision, non, il y a un mec qui Augustin Kabuya. Qui est Augustin Kabuya pour la République? Et puis, solution est mon ami. Parce qu'Adam est mon ami. Mais Bakola n'est pas mon ami. Bakola a défendu toute la République. Bakola, même quand il y a. Ah mon ami, même pas fédération congolais, il y a boxe. Il y a boxe. Mais ce qu'on a besoin d'aide, ok, doit. Qui va présider la fédération à boxe. A quel coup l'a-t-il? Il y a bien la présidence, il y a bien la 10e rue. Pour véritable présidence, c'est la 10e rue. C'est pas sérieux. Merci. Bakola, vous êtes une fierté pour le Congo. Je suis d'accord qu'il ne faut pas les têtes de Bongo pour Nayo. Deuxième conseil, débarrassez-vous de tout cet entourage familial. Bakola, Tika Kobeta Matolo, tu n'es plus l'homme à Kobeta Matolo. Ok, n'est pas à Bédachou. Mais tu as l'image du Congo aujourd'hui, n'importe quoi que c'est. Comment tu veux te mettre devant, t'exposer devant Abed Achou, le col là-bas, tous les comédiens qui vont aller se prostituer devant ces gars-là. Tu as combien de matelots, les gens sont combien de matelots, tu mérites la reconnaissance de la République, mais pourquoi ça s'appelle sous-souté? Oye, boyo, on a combat. Attends, on a combat pour la Congo, mais le Congo se doit de vous aider parce que dans mon cas, on a eu un drapeau à Congo et tu mérites l'appui de ton pays. Parce que vous allez congolais, Azamutumoko, l'État doit décaisser 1 million pour lui, 2 millions, mais que cet argent puisse être géré. Mais quand il y a un escroqué, ce n'est pas normal. Et puis, ministre du sport, vous avez vérifié. Quelle est la politique sportive de M. Félix Tshilombo? Les bongo toulou. Natation route et banane. Si j'ai. Où on a le courage de dire que Félix Tshisekedi est complice de Makamego le Ghana Est? Où on dit, bon, Félix Tshisekedi. Tu as un peu de temps. Nous sommes des Congo, Toko, traité Félix Tshisekedi Lokola, un ennemi intérieur ya Congo. Donc, on ne peut pas, excusez-moi, que compte tenu du contexte, on ne peut pas avoir un président qui a une femme rwandaise. On n'a rien contre les Rwandais, on n'a rien contre le peuple rwandais. Mais dans le contexte de guerre permanente, des dirigeants rwandais, au bas, quand ça a été pour la Rwanda se développer, il faut piller le Congo. On ne peut pas accepter qu'il y ait un président qui a une femme rwandaise. Ma mission TV, le miroir du monde. Merci beaucoup Bakbota Libiso partout dans le monde dans l'émission Nabino Talalelo. Ezali Abino, les combattants de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain. Julien Botala Talalelo. Talalelo dans l'émission Nabino, tu as un numéro Yassika, invité Nabiso Yalelo, tu as partagé à travers l'information et la question d'actualité autour de Soanaye. Quant à moi, je tiens à remercier l'équipe technique dans Mopimba et puis Namoni Bongo Olivier. Et pourquoi pas Nabatoutou Botala Libiso partout dans le monde. Merci beaucoup pour ce chaîne Nabiso Ma Mission Télévision, il y a Bibi Kapinga. Il y a un invité Nabiso, surtout dans le mémorial, il y a un invité dans le réalisateur, il y a un invité dans le invité dans le Babengi Nakombo, il y a Prince Epenge. En tout cas, Prince Epenge, il y a un par rapport à Nenge, il y a un invité dans le monde, il y a un invité dans le monde, il y a un invité dans le monde, il y a un Prince Epenge. Bonne invité. Santé Nengenin. Ça va. Santé, ça va. Grâce. On a habité la bataille de partout dans le monde. Tout le monde a habité ce moment qui va rimer un peu le message qui partout dans le monde par rapport à l'avion chef de l'État de Tambola. On a fait des choses qui sont chilombo. Côté de Batumusu, il y a Asomba qui est. Et puis côté de Batumusu, tout le monde a équipé un abisso moko. Il y a un bâti moko et un quatre. Il y a un bateau qui est en société avion. On a habité pour nous impressionner les amis.
Bon, Ndeko. Excusez-moi, je ne m'attendais pas à cette question parce que. Je trouve que tous les amis sont divers. Et peut-être que les conséquences, il y a maîtrise, non-maîtrise, il y a virage, il y a nouvelle technologie, il y a information, il y a communication. Mais j'ai l'impression que nous passons le plus clair de notre temps dans les commentaires divers. Alors que les sujets axiaux, les sujets fondamentaux sont là. Tout abordé. Avio a fait ce qu'il dit. Ils allaient à Koulouwe. Tout à l'État. Un pays comme le Congo ne peut pas louer un avion. C'est très clair. Parce que déjà, avec Kwenda Vutuka, il y a Félix Tshisekedi Oyo, ça va finir par coûter des milliards. Rien que pour ces voyages, ces nombreux voyages. Et ces coûteux voyages. Mais je n'en sais pas trop. Ce qui est vrai pour moi, qui aspire à diriger demain, quand nous serons là, les grands Congo doivent avoir un avion, et un bon avion. Il en va même de l'honneur de la patrie, parce qu'un pays ne vit pas que de ses potentialités minières ou de sa grandeur géographique ou du grand nombre de ses habitants. Un pays vit également de l'honneur et l'avion du Congo fait partie également de l'honneur de la nation. Merci beaucoup, la belle Boutali, sur partout le monde. Là, nous sommes avec un autre invité, Prince Epenge. Prince Epenge, tu as un message à président et à parti politique ICID, Martin Fayoul Alba, qui après arriver à Pape, à l'Imbissi, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, pour la Mambutu et le Canada élection. Oui, mais là, il a plutôt. Je vais dire confirmer ses pardons parce que la première fois où Alobaka est allé ici, monsieur Félix Tshilombo, c'était aux États-Unis d'Amérique. Mais il ne se limite pas qu'à accorder le pardon. Il dit que. Quand on vous pardonne, il faut éviter de faire des rechutes. Et pour cela, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre, notamment. Le pardon est lié à la fraude électorale il y a 2018. Le 30 juin, le 30 décembre 2018. Et donc, pour le pardon, on a la pardon mon code définitif. Il ne faut pas que lobby sous Félix a tenté y a quoi y a sous les sous y a quoi tricher tout y a cause Andy Maït ben nommé dengue na Bible y a Yesu alobaka et na limbisio zamba limbisio kasi kozonga les sous sous voilà donc je crois que na occasion y a Papa à Roma, il était important qu'il a rappelé en gros de manière symbolique, mais il a lui-même dit, et le président Eli Martin Fayoulou, qu'un chrétien des valeurs, le pardon et l'amour. Ou vous êtes chrétien, ou ne l'êtes pas, ou vous pardonnez, ou vous ne pardonnez pas. Et donc, par conséquent, vous n'êtes pas chrétien. Il est chrétien, il assume ses valeurs, il pardonne. Et a fortiori, plutôt au fond de cette affaire-là, la victoire qui a été volée est avant tout la victoire du peuple. Et Martin Fayoulou pense qu'en accordant ses pardons, demain, les efforts doivent être conjugués pour la peuple wana à la réhabilité. Ce n'est que logique et nous l'appuyons. En tout cas, mon parti politique, Action pour la démocratie et le développement congolais des Congo, nous sommes fiers de ce qu'il a fait. Vous savez, la vie est courte. Il faut laisser l'histoire. Et il a été laissé son histoire à sa manière, c'est-à-dire qu'en état correct. Il y en a qui voient en lui un homme, pourquoi il a pardonné, pourquoi il a fait ceci.
Mais la grandeur de l'homme, s'évalue à la lumière de son courage, des actes qu'il aura posés lors de son court passage ici sur terre. On ne parle pas d'hommes beaucoup plus lorsqu'ils sont vivants, mais c'est quand il tire les révérences. Et vous comprendrez que l'acte qui est opposé au vous en est comme démentiel lorsqu'il ne sert plus sur terre. Pourquoi? Parce qu'il reste constant, il reste logique, en harmonie avec sa foi, mais constant avec sa ligne, sa trajectoire politique. Et ça, je crois qu'il faut les féliciter parce que très peu dans cette classe politique sont disposés à faire ce qu'il est en train de faire. Les gens pensaient que. Quand on a eu présence à Martin Fayulu, il m'a dit qu'il y a pape. Moi, après, on a Félix Antoine de Tshisekedi Tshilombo. Moi, Mbote, moi, Nini, moi, Lissolo, mais Martin Fayulu a dit toujours, il y a 2018, il est le continué en 2023. Martin Fayulu n'a aucun problème personnel avec Félix Tshisekedi. Ça, il faut que vous le sachiez. Félix Tshisekedi a un problème avec le peuple. Félix Tshisekedi a porté en torse à l'organisation de l'État et à sa gestion telle que nous avons couché la volonté dans la Constitution. Félix ne réglera pas le problème avec Martin Fayulu, il réglera avec le peuple. C'est comme ça que même Tango Lingankwa Yakawa, il avait dit que vous voulez que Nakutana Félix Tshisekedi, mais qu'est-ce qu'on va résoudre ce que Nakutana Félix Tshisekedi? Par contre, s'il y a un problème, on va le traiter au niveau de l'État. Pas au niveau comme Martin Fayulu, Nalé Kinaï Félix Tshisekedi, Bakutani, Pobasolo. Pas pour n'avoir réglé un problème privé, personnel, il n'y a aucun problème personnel. Mais c'est la gestion et l'organisation de l'État qui les met à conflit. Dès le moment où on parle de l'organisation et la gestion de l'État, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi n'ont pas de problème. Voilà. Donc les choses doivent se passer à ce niveau-là. Maintenant, au coup, tu as une entité privée pour faire quoi? Pour na kolia mbika. Dengue Félix Amanda Okoya kolia na fadento, ndiko na kota na solo. Dengue Martin Fayulu Amanda Obeta Masolo na Félix Tshisekedi na 10e rue. Non, nous sommes à ce stade. Ce qui les a réunis, c'est les valeurs qu'ils partageaient. Ce qui les réunissait, c'est l'idéal de la promotion des valeurs, de la promotion du bien-être collectif. Mais Félix Tshisekedi a renoncé à ses valeurs. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui va les réunir encore. À moins que Olobaye te bakutana, pour te bayo kamizi kanyo kalongo. Oh, je crois que chaque chose a son temps. Ce temps-là n'est plus pour ce que nous faisons actuellement. Votre pression par rapport à 365 militaires rwandais au Bayo pour renforcer RDC na Mopandi Guna ya EAC kuna na Est. Excusez-moi, je ne commente plus ce que le Rwanda fait. Ce qui me préoccupe, c'est ce que le Congo fait pour faire face à tout ce que au moniteur de comme le quoi comptable ya ba mouvement ya Kagame. Kagame a kosola kiboye. Kagame a liakim boye. Kagame a saki discours boye. Kagame a quitté la frontière, boy. Non. Ce n'est pas ça que Kagame fait qui est plus important pour tout le monde à Bitumba. Mais ce que nous faisons pour la Kolonga Kagame est plus important. C'est ce que nous devons vulgariser. Quelles sont les stratégies? Nous, Kagame est dans une logique de guerre. Posez-vous la question. Vous êtes dans quelle logique? Félix Aké na Comore a dit que lui ne fera pas la guerre. Comme si le Congo faisait la guerre. Le Congo ne fait pas la guerre. Selon notre parti ADD Congo, selon la Mouka, le Congo ne fait que se défendre. N'est-ce pas que c'est un droit légitime que de se défendre? Nalai Nabutu, au côté Lingayi, si moi nanangaya mosto mobali alali, si moi sananga alali, le kito ya nanga alali, nde koto moninga nanga alali, nanda konangai, yo koti na bambeli na yo, yo kosa bango ma. Légitime défense. Qu'est-ce que moi je fais? Même matin aux alliés Godbert, nous avons signé et on a eu tout le bain d'accès. C'est que mon temps aux alliés dormir, force n'a eu à tripler. Quand un homme n'a plus d'ici, il peut décupler ses forces.
Et le Congo, même ceux qui ont été trahis par sa propre armée, même ceux qui ont été trahis par ses voisins, le noyau du Congo, des patriotes qui se trouvent au sein de l'armée, peut se battre et gagner la guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout gagne? Moi, je ne suis plus disposé à entendre que Kagame a fait ça. Kagame est dans la logique de guerre. Tout ce qu'il fait, ce n'est que normal. Maintenant, nous posons la question, c'est ce que Félix a fait. Yango Monaki Nakati a meeting et d'engagé matinée politique à DD Congo le 12 février au na commune à Kimanseke. Molobe à peuple, Prince Pengé, Alobaki, Nade de Congo de Topesi, ultimatum à 72 heures à Paul Kagame et à Félix Tshisekedi. Topesi ultimatum. Topesi ultimatum à 72 heures. Ce qui. Félix Tshisekedi. A retiré la signature à Congo dans l'accord de l'EAC. Oui, Félix Tshisekedi a longo le Congo dans la communauté EAC. Ce qui a passé hors de thé, Congo et Bimana EAC, les soldats EAC et Bimana Congo. L'histoire de Congo, Toko traité Félix Tshisekedi le Kola un ennemi intérieur à Congo. Peut-être que le peuple congolais va marcher à la fois contre Kagame, va marcher à la fois et aussi contre Félix Tshisekedi. Parce que en ce moment-là, tu considères Félix Tshisekedi le Kola un ennemi numéro 2 à Congo après Kagame. Parce qu'on ne peut pas comprendre car le but c'est la guerre. Guerre est coûteuse. Mais comment nous allons nous défendre? Parce qu'on vous oublie. Est-ce que Kenya est-ce que c'est la guerre en Russie? Russie est ailleurs que c'est la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que l'Ukraine fait? Il se défend, non? Il va se défendre de quoi? Félix il veut quoi? Qu'on aille flair au fusil au fond. Tout ça qu'a flair na songa mondo kinyoso pour gars mais ACP là. Il faut tirer ndeni. Ah. Donc à un moment donné où on a le courage de dire que Félix Tshisekedi est complice de Makambeko le Ghana Est, où on dit bon Félix Tshisekedi to cajolé par exemple de connaître to cajolé alors qu'à ça comme mission de boulot. Donc na fin ultimatum wana. Parler de Congo to ko pour mobiliser ma troupe. Paix au Koyoka, t'occuper sa maman na bombe. Et je vous dis, peuple n'a pas besoin de ça. Parce que tous les Congolais ont déjà dit l'église catholique a tamboliya. Bana ben, Boutembo, Goma, non, si, bana ya Kivu, Yabuka, vous batamboli. Non, mais na ituri. Batambola, balabala. Et ACT. Le président, il dit, Martin Falassali, trois points de presse. Trois conférences de presse. Oh. Il a démontré sur le plan économique comment nous sommes perdants avec l'IAC. Dites-moi, ça fait trois décennies, 30 ans où nous avons eu la guerre, en intermittence. On n'a pas le temps de nous organiser. Bachelet, on a pouvoir il a saucissonné l'armée, il a désarticulé l'organisation étatique à tous les secteurs de la vie. Économiquement, le Congo est un nain par rapport à la Kenya. Est-ce que vous savez que Kenya est semi-industrialisée? Dites-moi, ah ouais, même on a accès à Aboué. Limiter zone industrielle, quartier industriel, et comment quartier résidentiel? Balobi, la barrière économique est tombée entre les pays où on a EAC. Mais qu'est-ce que nous produisons? Qui va être en compétition avec ce que les Ougandais produisent, ce que les Rwandais produisent, ce que les Kenyans produisent? Les Kenyans sont organisés. Allez au Kenya, vous allez voir rien que l'aéroport du Kenya. Autalibo Yolobi, mais vous allez au l'aéroport, il y a France. Et que l'autre aéroport en dit. Et le côté de Nango a attiré Batuna Moma Oyo. A pas minerai Nabiso. L'ongola va minerai à pas. On ne peut pas se contenter que des minerais. Encore que d'ici autant d'anneaux de siècles, le minerai n'est que si là. Parce que ça est épuisable. On ne diversifie pas l'économie. Bon, vous voulez aller être en compétition comment avec les Kenyans? Sauf que dans Kenya, il y a des milliers de kitos. Il n'y a pas de milliers de kitos. Et où est la loufou? Nestlé, il y a ça qui m'a dit. Mais où est la loufou? C'est Angola. Le Congo est comme des marchés. Mais c'est moult, il y a un yon. Le Congo est comme des marchés. Nous nous sommes réduits à des statuts de simples consommateurs. Mais la mondialisation. Professeur Moi, il a tiré un livre qui est la mondialisation à l'Obaki. La compétitivité, c'est une agressivité. C'est les États qui se battent économiquement, financièrement, en termes de management,
y a qualité, ne pas gagner la mondialisation. Oh, nous sommes RDC, le Kamakasi, nous sommes le Kamakasi en quoi? Parce qu'on a bah, nos potentialités. Mais la richesse, c'est que tu as un savoir-faire. Tu as signé un contrat, Léonard, un Chinois, un aucune initiative pour être transféré à la technologie et salama. Les Chinois, ils ont construit la route. Nous sommes incapables d'entretenir les routes là. Tu es capable d'inaugurer Banzela. Tu as la poids lourd qui est en train de japonais. La coopération japonaise. Tu as la poids lourd qui est en train Bachaka ba pano pona moyezo ba minda minde pela kaiza l'autonome et kusulo balongoli ba minda wana ezasu na panote te chana ba kabine ba kabine ango ba transport ezai kozika palu le ko molili o ba pano ya o ba chai likoronde ba chena ba chena ba kabine kobanda kobanda palu wana na ista na baramoto ti na lumu pa matete pa matete mo panzi o ya palu boye Japonais attaquent Minda na panneau solaire. Et à faute d'attraction, panneau te koufi. Balongoli singa pour la galimater ba Minda on est dans la poêle où mon panzi wana est à gauche, bosso qui n'est pas ma tête, na droite bosso qui n'est pas ma tête. Balongoli ango, ba chez singa wana ba ko ba ko tiango na cabine mais na na de 14e rue na logette. Oh que ba logette wana coule que d'aga même 1000 fois par semaine. Le système il y a panneau solaire. Non, et comme ici on a cabine, donc on va passer à battre le bandeau, on va passer à mine d'avoir un niveau. Donc les Japonais avaient estimé que ils allaient indépendants. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, nous ne pouvons pas être compétitifs et gagnants. C'est-à-dire que Félix en ouvrant notre pays, n'a supprimé les barrières financières, douanières, économiques. Tout parce qu'ils sont plus ou moins organisés en Ouganda, au Rwanda et au Kenya. Alors que nous sommes complètement un véritable café naoum. Aussi, en supprimant ces barrières douanières, mais nous perdons financièrement. Parce que Bango, Rwanda ou Ouganda, pour pas de on n'a pas de Bando fait taper douane, bando fait taper taxe msus et quoi nous la caisse à l'état. Le coup là entrer dans la EAC, va supprimer le coup yuana. Donc comme on a marché comme un bango, nous perdons totalement. Triplement. Et entre temps, ce sont des gens qui ont toujours rêvé de nous envoyer leurs compatriotes basés en nationalité na biso pour n'a pas coloniser biso. C'est une politique vieille comme le monde. Que d'envoyer une femme, une belle femme au Congo à que nous parle un politicien congolais pour ce qui a commis kuna. Avant de mettre ma formation. Mais les Rwandais, Ngwanda a écrit, c'est ça, papa Ngwanda paie à son âme. Dans le blog, on a eu ça avant de Oui, et ça n'a pas d'être pas. Kagame ne fait qu'utiliser une politique vieille comme le monde. Guerre antique et Salama. Entre Rome et la France et Salama. Basi y'a Rwandais, Wana. Bakotina Bangoua, Babala, n'a pas de politicien congolais. À côté, au Botinaï, mais Azalinde infiltré à Rwanda. Avec l'information. Donc, on ne peut pas, excusez-moi, compte tenu du contexte, on ne peut pas avoir un président qui a une femme rwandaise. On n'a rien contre les Rwandais. On n'a rien contre le peuple rwandais. Mais dans le contexte de guerre permanente, des dirigeants rwandais, au bazar au cancer, pour la Rwanda se développer, il faut piller le Congo. On ne peut pas accepter qu'il y ait un président qui a une femme rwandaise. Parce qu'il y a une routine d'information dans le Rwanda. Ça, ce n'est pas être tribaliste, ce n'est pas être arriéré, ce n'est pas être fermé, mais être réaliste. Le Kolangaï Boye, moi c'est Nangaï, Azali Mouane à Congo central. Ngana yuko za décision ya koloba ke si pesa Congo central les agi pays étranger. Ngana za décision ya koloba na komi président bombardé Congo central. Masina ko ndima. Ah ndima. Parce que zali moi na Congo central. Zaka ne mo réalité biso zo le gars biso pena. Voilà. Na Nazali congolais. Rwanda. Attends na komi français. Na ko ke France azo ko za projet ke aya à pied ba richesse ya Congo. Na chaîne nationale komi français na ko ndima ngo. Ah mais que naze la bête. Na Congo ta sur France politique neza boza boza boza. Non papa, mabelé en boka no zaka mabelé en boka na. Donc lelo na contexte na ngolo lelo. Écoutez, excusez-moi, nous voulons que tous les peuples ne soient pas peuples africains, tous les noirs et tout ça. Mais à un moment donné, le Congo, c'est le Congo. Le Congo n'a pas de prix, le Congo ne se négocie pas. Et le peuple d'abord. Peu importe où vertu tu es avec le monde, mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir Moto Oyo, Azali et Naba proximité, Moko Boye,
na Rwanda tout tient tête à Congo parce qu'à un moment donné il faut que vous moment mon moko azali je parle de la présidence de la République ouais, ouais. Hein. Ouais, ouais. Donc tout on dit ma moto azana par exemple à maman Congo ya Congo Brazzaville oui tout on dit ma parce que Congo Brazzaville n'a jamais eu de velléité à quoi envahir biso tout on dit même un français moitié français moitié congolais il n'y a pas de problème moitié tanzanien on peut encore accepter moitié angolais on peut accepter. Parce que tous ces pays-là n'ont pas voulu. Mais le Rwanda, le Rwanda et l'Ouganda ont exprimé leur volonté manifeste. Il y a qu'à envahir Bissot, il y a qu'à Bissot, il y a qu'à Zamanda Mabel Nabissot. Donc, tu peux nous expliquer tout la diversité, fait la richesse. Oui, nous savons ça. Mais quand il y a du Rwanda, quand il s'agit du Rwanda, non, on ne peut pas. Pour l'instant, on attendait peut-être 50 ans, 100 ans. Parce qu'un jour, Kagame, qui est dictateur, qui nous fait la guerre, va passer, on aura un dirigeant démocratique au Rwanda qui viendra à ce moment-là, on va commencer avec le Rwanda. Parce que c'est un pays africain. Jamais tu ne miracle que l'on c'est qu'à Zaliwana. Nous sommes condamnés à vivre avec le Rwanda comme pays voisin. Mais pas avec le régime de Kagame. Et si les Rwandais veulent qu'on puisse avoir des bonnes relations avec eux, va marcher dans le Rwanda, va longo la dictature Rwanda, va l'accepter, va respecter le Congo à ce moment-là, tout ça va faire na bango. Si vous avez dit que 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 vous avez dit ancien président, car après dit que vous avez 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 opposition que vous avez dit 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 que crime est okay ndenge nini bomoni ndenge nini ko se retrouver ou soit et au sac à continuité ya ko la paix à passe crime est allé à la fois les mêmes mais à la fois aussi différent les mêmes parce que Félix Tshisekedi dit azako du jemboka n'a pas même méthode que Kabila. OK, mensonge, détournement des fonds, esprit un peu clanique, manque à soucis véritablement à peuple, enrichissement illicite, politique beaucoup floue et alambiquée. C'est allé différent parce que Félix a une longue même. Mais Kabila a caché le visage en réalité. Kabila est venu avec un visage fermé, il est parti avec un visage fermé. Et Félix est venu avec un visage souriant, mais en réalité, il est aussi dangereux que Kabila. Au fond de son cœur. En réalité, souci à Moutakoli n'a que ça, ça. Et l'ongi à Moutakoli n'a que ça, ça. Moutakoli n'a que ça, ça. Kabila n'a pas que ça. Donc, il ne savait pas comment s'adapter avec lui. Mais Félix connaît les Kinois. Et donc, il exploite les connaissances des Kinois, des Congolais, mais. Pour nous exploiter Bango, pour nous bébisser, pour nous faire la Kabila. Même ceux qui Kabila a nommé, même un des Kabila a nommé, voulais-je dire, c'est que vous pouvez profiter de cette opportunité-là pour faire de bonnes choses. Malheureusement, Félix va partir d'ici 10 mois comme il était venu, na pointe à Makolo. Par la porte arrière, pas par la porte principale, malheureusement. Entre fait Tshisekedi et Kabila, il y a pas entrer pour tout ça devient. Quand on peut parler là qui, quand on a collé là. Quand on peut parler là, quand on a zone là, n'importe quoi comme on chite, tout le monde qui est vraiment là où chite l'émission à Bissau, votre pression par rapport à la réalité du sens tout le monde qui va message Martin Bakola Salaki, et puis toi que au monde en Bongo et puis Sima, tu es au monde qui a quitté Liban, on a évité pour n'ayez n'a pas tenu de Baba qui match exacté, on a une compétition plutôt peu combat on a exalté. Est-ce que le ministère il y a sport, batala qui calendrier était tout peu balandé là, et puis toi que au monde la présence Martin Bakole et pas le secrétaire général il a parti à UDPS et après le sénateur comme on a bon et pour nous. ADD Congo, notre parti dit que Bakole mérite le soutien de l'État congolais. C'est un Congolais et il fait la fierté du Congo. C'est indiscutable. J'ai dit que l'État doit aider Bakole, mais pas seulement Bakole. L'État doit aider les secteurs, il y a sport, nyos. Je crois que ce qui est
pour définir une bonne politique sportive, on peut donner 500, 600 000 emplois dans le Bana ya Congo. Secteur sport, secteur moko où embaucher bateau béli, mais à condition que tu définisses quelle est la politique sportive du Congo. Le sport n'est pas que le football. Les lois comme on a ministre du sport, a comme ministre de Léopard. Du tu es allé, taekwondo yali, boxe est allé, karaté yali, basket est allé, tennis est allé. Ce sont autant de sports où singeli tu définis politique, tu investis. Pour ba misala eza la créer derrière batwana ba famille belé qui mana pauvreté. Oui. Malheureusement aucune politique sportive. Nous sommes dans l'émotion. Léopard a tiré mon guet de sepeli to beti maboko. Mais au-delà de Léopard, quelle est la politique sportive ya Mesefele Tshilombo? Li bungu tulu. Natation route yeba na artiste za sute. D'où je plaide, et moi, Prince Pengena, Lingoma, l'ambassadeur de Congo, on a défini ce qu'on va faire du sport. Vous savez que Mboka Congo et Mboka Mboka Zali pétri de talents. Moi-même, j'ai joué au football. J'ai joué jusqu'en deuxième division, une équipe à Deyang, dans l'imité, dans l'intérieur de Massambawana. J'ai dit arrêter parce que combiner le football et les études à l'université Kinshasa, c'était impossible. J'étais à l'école de football et les Kobokungu, l'ancien gouverneur de l'Équateur sous Moïse Kabila. Et j'ai vu, talent, je me disais, ah bon, ce qui, au moment, va encadrer bien. Merci à mais Massa Lelo a commis moto, bateau, vous avez besoin de faire une cantine et boucana, cantine en plastique. Si vous avez une panzana, vous avez un bon côté qui a été embelli dans la moto, à Bambé. Mais quand je vois le talent de mes camarades, s'il y avait un cadre où on pouvait. Quel est le mot? Je manque les mots là. Un cadre où on pouvait endiguer, on pouvait. Pour qu'une perle soit perle, il faut qu'on la fasse sortir sa coquille. Et bien, si on a une coquille, il y a comme ça une perle. Mais ça, peut-être, je suis en train de me faire un peu de temps, peut-être, je suis en train de me faire un peu de temps. Il y a des gens qui ont un talent footballistique. C'est un talent qui est un fleur dans le terrain. Un de mes joueurs les plus préférés au monde, les plus grands selon moi, Ronaldinho. On a dit non, tu n'as pas banni ni moko ba favelas. Azu encadrement. Mais encadrement. Tu vois? Mais zoa matumon na room. Zoa pied de Jésus, ton nom à pied de Jésus. Biscot Mbala. Zoa tes opoutou. Si ces jeunes-là, pas à encadrer. Vous savez combien de millions bangla me mana Congo? Bangla ton bana au Kana Congo, non? Mais manque à politique. Lancez maman un message dans le ministère du sport, Mbaba Olanda. On n'a pas un ministre de sport. On a un ministre de Léopard. Il y a un gars Léopard. Même Léopard, en gros. Ma discipline, Mais qui veut aller loin, à Zouakamokaba, à Tchè, dans le Kitu, pour être patoué, quoi, il y a un Zélaté. On ne sait pas préparer les choses. Nous, on est si gérer les urgences. Mais dans ma carte parti politique, il n'y a pas formé à Batou. Mais il dépasse 37 ans d'élite. Est-ce qu'il a formé Batou? Bon, il dépasse ça la bende. Il dépasse à former Batou pour nous finga, Kotchola. Moi, je vais même battre dans la photo de Baïawa. Il va créer des réseaux sociaux à l'Okuta. Ce qui fait que ça les tweet. Le logiciel est en Angwana et finga faillu. Au moins, 1000 personnes ont fini de faire faillu. C'est que tu as l'ingé sous tes têtes. Ils ont lu le logiciel. Il y a des personnes qui ont fait des alors, il s'est facturé par le programme Bélé, le projet Bélé, le président. Tout le conseil après, c'est pas critique, nous allons tout corriger. Non, nous ne sommes pas là. Parce que la présidence, nous avons dit Griffin, et nous dit Mamboto. Nous avons dit Migler, un conseil à la présidence. On a dit que le PR et la présidence sont 12 ans à l'hôtel. Avec le président, oui, Nacheta. Nous, avec le président. On a dit que oui.
C'est là où même le régime Kabila était un peu discipliné que ce régime ici. Sous Kabila, comment on a mutu kanache tate, il y a président plaque à présidence. Mais sous Félix Tshisekedi, dit mutu ka présidence va ça un mariage. Jeep à la police et mes mamay, il y a Mokonzi, il y a soi-disant responsable. Donc nous on a défini notre politique sportive. Quand on vient comme ça, il faut construire des écoles. Il faut dans chaque école obligation. Ministre du sport. Il faut participer dans le domaine de la santé. Le ministère du Sport doit définir aussi la politique de la santé publique en collaboration avec le ministère de la Santé. Pourquoi vous savez que par exemple, chaque jour, il faut que vous soyez en sport. Il faut que vous soyez en école, en école, en santé, terrain, il y a sport. Tout ça, ça fait partie de la définition de la politique sportive dans toute la République. Mais est-ce qu'on fait ça? Non. Et on veut avoir des résultats. Donc, Bakole. Nena le Bakiango, Bakole mérite le soutien. Mais Bakole kakate, naba sportif ni ce tout. Ana bawo Bakole ba médaille awa boye. Mais ala kana kan luka kuna même médaille ya jeux africains, mais tant ayina ma médaille yango. Ayiko la lango na ndaku wapi? Na kan luka kuna munde ya lite et tout ça, ye papa, non ta ko auto sa fierté na biso kuna. Et puis médaille on peut pas ngope. Après ça caté. Donc mais là où les bas blessent, la démarche de Bakole a été une mauvaise démarche. Comment ça? C'est que il a fait une pire escroquerie. À l'objet que azana combat. Après ça Mbongo pour se préparer à gagner combat. Après ça Mbongo, on se rend compte qu'il n'y a pas de combat. Ça veut dire quoi? Une escroquerie? J'ai vu dernièrement Motomoka y pas ngai jeune garçon abi moi nanga zobela songa ngai. Abi nazali na résistance na mbongo te. Mais balobi e pa na msiba tetela balobaka muke bo makalibota te. Lakini mama muke na ngana zaki nango oyo mamba msusu ya dede kongunda sunginga abi président cha Kabila. Ya msi privé ko cha Kabila na pesiye. To sungi. Akei une semaine après il m'a dit président malheureusement moi nango akufaki. Na yesu sunabi ah o nanga ko sala émission na zina pesiye. Na semana ta onabimi aye na semama sinanga lobi madame loka papa prince pengi molobela pepe na madame abimi molobela pepe sa bimi abi batu bavandenga na ndako pona matanga kuna na ibine ya kusalate to madame abi singa na bino c'est que c'était un escroc. Comment ça? Là il a abusé de ma confiance et je suis même plus sûr que moi na kufa kia solo. Je vis encore une femme là na première papa prince pengi moi na nga zobela ça m'a fait très mal. Mais il faut comprendre que pas ces amas malgré ce qu'il n'y a pas d'amis, bon hôtel. Donc, il y a un comme ça, il y a un bon hôtel. Deux semaines après, je raconte la même femme. Mais dans un autre endroit, papa m'a dit, oh. Mais oh, la même femme qui m'a dit, tu vois, ça, c'est un peu, c'est pas qu'au Congo, mais ça prend une dimension inquiétante. Du coup, on ne sait plus à qui faire confiance. Parce qu'on abuse de tout le monde. Ce que Bakole a fait là, il a abusé de la générosité de l'État congolais. Il a abusé une autre fois. Moi, quand je l'ai vu demander de l'aide, moi je m'étais indigné. Comment un homme qui a fait notre fierté puisse manquer même l'argent pour s'entraîner? Mais en même temps, comme intellectuel, je me suis dit, cet monsieur a bâti, Bakole a bâti le numéro 1 français dans la boxe, Tony Yoka. Bakole a coupé dans la tête. Rien que sponsor pour la taille. T-shirt à la Tijuana griffe. Mais il a reçu de l'argent. Pour ce combat-là, il a reçu de l'argent. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il fout à Kinshasa ici? Azaïp une équipe nationale. Qu'est-ce qu'il fout? Non, Bakole ne se bat pas au nom du Congo. Mais rien que le fait que la ceinture n'a pas boxé, à tête d'appât Congo, c'est un honneur. Vous savez, un pays ne vit pas qu'il y a une potentialité. Oh non, tu en as content, tu en as. Oh non, ça c'est bon, oui. Mais un pays ne vit pas que ça. Un pays ne vit pas que de sa grandeur et géographique et tout ça. Un pays vit également de l'honneur. Et Bakole nous donne cet honneur-là. Bravo à lui pour ce qu'il fait. Est-ce que Bakambo est bon?
mais honneur que Bakambu za kubunda. Et oh yoza na Marseille. Mm. C'est notre honneur. Mm. Moi, on mange pas cet argent. Mm. Mais nous mangeons aussi cet honneur là indirectement parce qu'on est congolais. Mm. Donc Bakambu fait aussi notre fierté. Mm. Et oh yoza na Marseille comme une année. Chassel Bemba, c'est ça? Chassel Bemba. Chassel. C'est aussi un honneur pour nous. Donc si Chassel est là, mm. un problème lui arrive, l'État congolais se doit de l'aider. Mm. Mais abuser du Congo là c'est autre chose. Mm. Donc demain, logique à Kosenga Mbongo, Kosenga aide les amis malamu, l'État doit aider ceux qui font la fierté du Congo. Mais ce que vous allez nango quand on s'allie tate, quand il y a l'État à son galoko là, il est moins ningidi. Papa, je vais bénir mon corps et singa, soit qui doit, soit qui n'a comment ajuster. Papa. Comment est-ce que l'Ouenda ça coûte wapi? Comment est-ce que Bawana tout ça? Au courant de si l'État n'a pas le pouvoir de ça la cagnotte mon coboy. Bukonga na bonge belende ko nangai. Kaka tango ba yiba kanoto yiba ke bonge zali. Mais pour aider ceux qui ont fait la fierté du Congo, on ne le fait pas. Oui. Moi, j'ai proposé au président Lema Tefelo quand on arrive au pouvoir en 2023 que bah si un jour on a basaki fierté à Congo. Maman allait à Koufina, maman allait à Koufina. Dénuement total. Maman la Koufi n'a des termes pitoyables. Mungongo fiche à Zapidelo. C'est Jacques qui a tombé avec le Kuma Congo. Le Congo commence à bâtir dans les Soto. Les Soto a gagné Bissot. Soudan. Soudan, c'est équipe qui peut dire que ton nom est à cause de 6 à 0. Mais le lot, tout ça. Bah, tu as tout fait ça, un cagnot, tu as un faranga mon bois. Kuta ba tu ba difficulté ko ba lelo ko pas seulement en espèce tete tongela eboy bana o vivre alors ça président des Félix Tshisekedi a ça là Félix ne fera pas, il n'écoute rien, il n'est pas venu pour ça. Félix a qui n'est pour nous ka confort na il n'est pas intérêt na été ce qui m'a ba critique au bepeng de ça pendant 4 ans oyo ce que ça m'a tué au yoka kabila suka yoka ka ndé a échoué na échoué boyte Félix Tshisekedi a ko gérer mboka lokola association bana kin ndé to moi ba goda motemona ba domi ka ndele ba liga makola. Félix, j'aime beaucoup l'association Banakin. Tu es Milangi na Mesa. Tu es Josa Nyo Kalongo. Nyo Kalongo a été. Tu es musique à Mopao. Tu es Bini. Tu es Bini. On ne vit qu'une seule fois. Et puis tu es Panzani. L'objet sur Tokuya. Tu es dans la collection. Tu es dans la Rolls Royce. Tu es dans la Bani. Tout ça. Tu es dans le Bionga. Tu es bourgeois. Tu es dans la Bionga. C'est à la quinoiserie que le pays est géré. Papa. Je suis venu dans mon délire. Mais je connais l'homme blanc qui a travaillé pour domestiquer la nature. L'homme noir qui a travaillé dans Zali. Moi, j'ai vu des hommes noirs, le coup d'abissot, parce qu'il y a une maladie à peau blanche, non. Peau noire, non. Un homme avec qui tu travailles, c'est terre. Il n'y a pas de. Non, non, on bosse, on termine et puis là, tu as commis un salaire. Félix n'est pas vendu à l'Ibanda. Bon, il y a des gens qui ont besoin de pouvoir. Il y a des gens qui ont besoin de la stratégie à l'Ibanda. Il y a des gens qui ont besoin de rigueur. Tu es conscient qu'on quitte un monde en bas. Il y a des gens qui ont vendu à l'Ibanda. Mais il y a des gens qui ont besoin de l'Ibanda. Pour vendre à la Chine, il y a des gens qui ont besoin de l'Ibanda. Félix a vendu à l'Ibanda. Il y a des gens qui ont besoin de l'Ibanda, non? Qui n'ont jamais été dans la cité, enfermés ici, à Teki na magasin, je connais les Libanais. À Teki na magasin, dans le commerce, à Yéawa, à Kandingwana. Il y a un magasin, tout ça, 30 ans à Congo, à Kandingwana. Donc, ici, je voudrais vous dire que. Marte Bakoule. Marte Bakoule. Non, pour la Bakoule, il faut qu'on soungaye. Il faut qu'on soungaye. Je crois que. Et le calibosso, il faut qu'on soungaye, il faut qu'on débarrasse l'entourage naïe. Okay. Il faut débarrasser l'entourage naïe. Le komi, batier le babou la foufou na mesa, batier musique yamutwashi, babi ni sakaye ba filma kaye. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Mais cet homme est ici, directement. C'est quoi ça? Qui l'entoure? On m'apprend que Balinga est un manager, Moko Boye, Libanda, Baba Boye, Balinga gère pas Bami naïe. C'est pas Bakole ne devait pas être entraîné ici. Bakole a quoi? Bah Wilder, ce Wilder, il y a un boxeur américain, ce Wilder, ce Baden. Bakole a montré défier Batwana Poilo. Ateka ko le kumya Congo musika. Mon jeune frère ici est Dadju. Tu vois,
Moi, quand je vois ces gars-là, je me suis dit, mais bon, voilà un jeune Congolais, pas que Koukoula Napoto. Au Talibo, Monique, Moutazawana. Même le raisonnement d'Adjou. Tala le Kinangao innocent. Si au Talib, moi, Nawana, aucun raisonnement n'obi, mais oh, moi, tu as 60 ans. Et c'est entouré de gens conscients. Et comportement, moi, je suis dans le monde où tu as qui vous, c'est qui vous. Parce qu'on donne ma sagesse, on a beaucoup de temps. On sentit vraiment que oui, il faut reconnaître. Mais Belge a étudié Abisso. Tu vois ça, non? Belge a le bac que mon gars l'a zaboyé. Ce qu'on l'ingi que étudié, étudié boy. Mouluba zaboyé. Ce qu'on l'ingi étudié, étudié boy. Mon tété l'a zaboyé. Ce qu'on l'ingi boy, étudié mon tété l'a zaboyé. Oh, mon Congo zaboyé. Mais on a oublié ces enseignements-là. Oui, c'était caricatural. C'était époque coloniale. Mais il y a aussi des demi-vérités ou certaines vérités dans ce qu'ils avaient fait comme étude. Il faut connaître l'homme pour savoir l'employer. Tu peux venir comme ça, oh, à fois un maçon, le lobinaye, comme un musicien. Non. On échoue souvent parce qu'on veut faire du méli-mélo, on veut faire plaisir. On veut faire plaisir, pas à cousin Angaï Azani. Donc, Bakole, à l'encadrer. Bah, écarté et j'ai fait cet appel à sa famille et à lui-même. C'est un frère où la Monique a zappé, a maîtrisé, a le bac à Makabouza bien. À se débarrasser d'entourage Nayouana. Merci beaucoup. Ouais, entourage à la quinoiserie. Mais Rome, pas ce n'est ni Lionel Messi a pêché au Rome à pêcher. Feinte nini, dribble nini. Autre manière de typhoïde. Mais Rome a constaté en gros peut-être qu'avant même Messi. Comment Rome a tiré à Waboye, Rome a commis aucun matongo monnier et tout ça. Et puis bah jouer dans ce bazar mais la massangue le roi m'a foutu un zoo. Maintenant, il faut tirer les leçons pour Congo et à notre talent et belé mais bambanda kawana na banganda jika na baloja bataco kombe na bapueto na ba kolwezi okedo kuta batane belé na bagisangani maintenant il faut tirer les leçons ya koloba ba to gâcher ba talent et belé comment on met un cadre d'encadrement de promotion ba talent wana pour mboke bénéficier nango et anonner en argent to bénéficier anonner to bénéficier en argent parce qu'il va nourrir des centaines de milliers de familles. Ok, bah ouais, j'ai ma fondation belé, mais bah quand bah coller. Tika kobeta matolo, tu n'es plus l'homme à kobeta matolo. Ok, n'est pas Abedachou. Mais tu as l'image du Congo aujourd'hui dans la boxe. Comment tu veux te mettre devant, t'exposer devant Abedachou, le col là-bas, tous les comédiens, qui vont aller se prostituer devant ces gars-là. Non, messieurs. Merci. Non, messieurs. Et comment tu peux aller déjà tant à Outaki Poto accueillir pas bonsoir. Accueillir pas bande de surtout dans le pouvoir, il y a tiré gelou avec un bête à matou dans chaque porte. Non, mais. Ma bête à Congolais. Tu mérites. Non. À ça Congolais. Bon, on peut avoir un pouvoir, Baba Congolais, à ta pouvoir qui m'oïbi. Mais à ce niveau-là, on ne peut plus faire ça. Ok. À ça, Moutoumoko, l'État doit décaisser 1 million pour lui, 2 millions, mais que cet argent puisse être géré. Mais quand il y a quoi escroquer, ne pas escroquer, ce n'est pas normal. Et puis, ministre des Sports, il y a un ministre qui a vérifié. Côté Moussoubabi, ordre Pessa Magui déjà. Oui. Parce que mon été, oui. avant Bima, non, bah, avant Bongo Bima, Kenda Ginanou, et pas secrétaire général, Augustin Kabouya. On me répond souvent que Pengue Yo le baka ba vérité. Mais je crois que, dans le niveau Congo, il faut que le baka vérité pour vérité libérer. Bah, comme ça, il y a une affaire de tribus. Oh, Azam, ta tribu na biso. Ça, c'est encore une grosse erreur à Félix, ce que tu dis. Bakambu, Bakole, Bikayawa. Ah ouais, moi même pas fédération à congolais il y a boxe. Il y a boxe. Mais ceux qui ont besoin d'aide, ok, ok, va présenter la fédération à boxe. À quel coup n'a-t-il? Bah y a bien la présidence, bah y a bien la 10e rue. Pour véritable présidence, c'est la 10e rue. Véritable présidence, c'est la 10e rue. Oui. Andéni. Bon, que ça j'irai la 10e rue. Ok. Tant que vous êtes dans la télévision, non, je ne sais pas si vous êtes Augustin Kabouya. Qui est Augustin Kabouya pour la République? Et puis, solution est mon ami. Parce que Azam est en Kamboka. Mais Bakole n'est pas en Kamboka. Bakole a défendu toute la République.
Voilà comment ils réduisent tout à ça. C'est comme ça que moni batiele babou la fufu na mesa batiele. Merci beaucoup. Aza kobina. C'est pas sérieux. Merci. Bakole, vous êtes une fierté pour le Congo. Mm. Je suis d'accord qu'il faut pas les têtes de Musabongo pour nayo. Kobeta matolo, kobeta sou matolo té. Deuxième conseil, débarrassez-vous de tout cet entourage familial. Lucas professionnel, cause on a frère nao oui. On a besoin de quelqu'un de la famille pour nous protéger. C'est normal. Mais ba mitié wana ndé si si ba tana ibele na Congo. Mon frère, vous êtes une opportunité pour la Congo et Tekamassi dans la boxe. Vous avez tout mon soutien, vous avez tout le soutien de la Mouka, mais débarrassez-vous de votre entourage, débarrassez-vous de votre entourage. Et ça m'a fait, je suis honoré. Si vous avez un matolo, tu mérites la reconnaissance de la République, mais quand vous avez un soutien, vous avez un combat. Attends, vous avez un Congo. Mais le Congo se doit de vous aider parce que dans mon cas, on a eu un drapeau au Congo et tu mérites l'appui de ton pays parce que vous êtes congolais. Bravo pour na on est au PSG dans Tony Yoka. Mais est-ce qu'on kéri? Kokendete, bah tu as PSG au conseil ou on a Kokendete. Si les imbéciles ne changent pas, nous croyons que Bakole a qu'au changer et vous avez une longue carrière. Et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Na mon bawo sarabiso sin kuna que TV zalingonga batalibiso partout dans le monde. Mais dernière question, après passage il y a gouverneur Villa Kishasa Gentil Bakangobila bakba kufi baka mordom par rapport à la crise na ba tension de ba bukaki balabala na ba bloko nyonso na ba ndako ba bato. Mais évitez votre pression par rapport à ba réalité en nous. Ngobila je koko baza portrait robot ya un quinoa. Dans tout le sens. Il gère avec émotion. Il gère la quinoiserie. Ngobila et Djikoko sont devenus la loi. Non, ils n'appliquent plus la loi, mais ils sont devenus la loi. Vous voyez que na mboka où va bien être les droits. Même pour nako benga na moto a futa kasi sutu na ndako na yo. Et singelo et pepa juste de paix. Non, on a dit qu'il y a aucun de cause à payer à vie. Payer à vie. Na bureau habitat. Oui. Aucun de pas autorité à payer à vie pour que ça monte à foutre quand on est pas naoté. A fortiori pour que beaucoup quand on est moto. Oh bah qu'on ait une construction anarchique entre guillemets. Il y en a qui ne le sont pas en réalité. Il y a des gens qui ont eu des documents en bonne et due forme, qui ont construit avec toutes les autorisations possibles. Bah toi, qu'on ait avant tes alliés construction anarchique. Et même mot anarchique, est-ce que je koko c'est ce qu'on appelle anarchique? Je koko zoyoka, yoka mambouza. Je koko doit d'abord nous définir ce qu'on appelle anarchique. Qu'est-ce qu'il attend par anarchique? Moi j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un courageux. Mais j'ai l'impression que il ne comprend pas que. Objectif à poursuivre, il y a un tchap, les objectifs sont même épingles à partager. Mais Djikoko manque la manière à mettre dans cette affaire-là, lui et Ngobila. Il faut mettre de la manière, mais aussi se conformer aux lois. Ce n'est pas Djikoko de constater le caractère anarchique. Yamabele, c'est le juge. Je crois que ça va monter une d'accord. Alors, d'accord, ils t'ont mis les bandes. Ils t'ont mis la balabala. Ils ont la procédure. Ils ont à aucun de quoi se référer à l'État. L'État au lobby n'a pas comme état une d'accord à bon abri. L'État y est mon gros. Ils ont pas domaine où l'État le bas qui va retourner gâté. Il y a même le locaux moi il m'a arrêté mon gros loi mauvais à 2006. Oui, l'accès à la zone ouana. Mais après 2006, c'est jusqu'à l'heure beaucoup de choses ont évolué. Là, pendant que ceux-là qui va retourner gâté, mais comme ils retournent mal parce que terrain s'améliore, l'eau s'est retirée de la terre. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un parce que quand c'est bébé. C'est-à-dire qu'il y a 2006, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a 2006. Et c'est que l'eau peut mettre en jour pour revoir les critères. Mais là, j'ai accueilli, à Zupel, à Zupel, à yo, tu as un peu de temps, yo, tu as un peu de temps. Non, j'ai tu n'es pas la loi. Ce n'est pas à toi d'arrêter. Il y a des gens qui sont au bas, pour arrêter M. Djikoko. On ne gère pas la quinoiserie. Mais je dis et j'avoue, je partage. Ce que Djikoko a un souci, je peux t'écouter, moi aussi, je partage. Ce soir, je peux t'écouter. Que ça, c'est le qui saleté. Je suis d'accord, M. Djikoko. Toi, tu as beau tout. Mais il faut de la manière. Tant que l'ingobuka, maintenant que ceux qui a bombe, ceux qui a pibouille, n'habitent ceux qui communiquent bien, ils gagnent à babi.
Ngaliema je crois. Ba ye bazoko beta porte na ton bobi matuza ko buka. L'état autobengi l'état. Na ba na hôpital, na ba na l'état a obligé à protéger. L'État est obligé à protéger et les faibles, et les forts, et les pauvres, et les riches. L'État ne fait pas de distinction. On donne un préavis. Et puis, même quand on va couper sa préavis, il faut que ça distingue. Bah, pauvre, oh, bah, tonga, bisika, wano, bah, kuko, tongate, on peut se faire un préavis. Mais on se dit également, parce que ce sont des gens qui sont là depuis 5 à 10 ans, on ne peut pas les jeter comme si on jette des rats ou des chiens. L'État doit créer des conditions d'accompagnement de ces gens-là. Mais en faisant en sorte que mon soit que ton gars soit naté. Bah, le bon français, personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je vais vous donner un cas que j'ai vécu. Pierre-Jacques Chaloupa, qui a été un peu comme mon second père, vous voyez bien, mon délo Azaki en a parlé, mais Congolais né à Wagandi. Chaloupa va passer me candidat à la nationalité, en bonne et due forme, et pas à l'État. Et même les tango, avec comme maillot devant justice à l'obin, Mikanda wana ezali Mikanda Lokuta, oisipe nationalité congolaise. Quand l'État y est, mon papa c'est Mikanda Nyos, en bonne et due forme. Et 20 ans après l'État, l'obin, Mikanda Nzamabe. On va s'apprendre dans qui? L'État Ndima Bere, Nayo. Ce qui est au Yébaki, mon papa c'est Mikanda. Donc, l'État Ndima Bere, parcelle. L'État peut se mettre sur la carte d'électeur. L'État peut se mettre sur la carte d'électeur. Et 30 ans après l'État, le Bible a 4 électeurs, la personne qui a mis en examen. Faut que tu aies un an. L'État. Maintenant, il y a un peu de temps, il y aura 4 électeurs il y a 30 ans. Ok, Zaki m'a bien. Faut que tu aies un examen. Peuple a eu un examen. Ma parcelle, ma sombi. Une personne attitrée, assermentée, agent de l'État, ayant été, ayant prêté serment, vous délivre tous les documents. Par le Bible, il y a un peu de temps. L'État peut signer sur tout ça. Et puis après, il y a l'État. Oui, nous encourageons les Congolais à vérifier les informations. Parce que ni n'est censé ignorer la loi. Il faut qu'on vérifie tout ça. Il faut qu'on vérifie. Mais na kawana, il faut une dimension à compréhension. Merci beaucoup. L'État ne peut pas vendre. Et puis après, donc il faut qu'on ça. En plus, dans le bouc, c'est comme ça, les alliés bateaux, basant le pouvoir. Oh, maman est président. Oh, non, quoi, président. Oh, ça, la présidence. Oh, Azan de Kwangobila. Oh, Azaboy. Oh, Mutajunera. Bon, Batiki. C'est-à-dire qu'on crée des catégories à bas citoyens. Qu'est-ce qui a changé entre Tango Babouka, Tango Kabila et Tango Babouka, Tango Félix, tu sais que dit? Parce que Banzelango Batongi, en gros. C'est pareil. Mais Zando, déjà, Tala Zando. Abouka qui Zando, tout ça, il y a 2 ans. Zango Batongi? Il y a 3 ans. 3 ans, en gros. Donc, je crois que je partage par ailleurs les soucis que vu le coup ma propre. Sincèrement, Zabandouam Souké Boye. Bah comme c'est un garage, un zéro mais comme un garage, non il faut que l'on go là. Je suis d'accord de ce côté-là avec Jikoko. Au coup comme ce souboyé, au taliboyé, un zéro comme un moqué, bah ton gagne son zéro, non il faut que l'on go là. Mais mettez la manière, donner les préavis, enquêter qui a vendu. Si ces gens-là on les a vendus régulièrement, c'est-à-dire que bah tu as l'argent l'État à Kalabasa Kamabe, l'État n'a pas engagé. À ce moment-là, catégorie à Batoubana, mais Kanana Bango a bonne forme. Mais tu si m'a moins loco dans ma boko. Non, moins loco. Attention. Il faut que tu aies une kaya expropriation pour cause d'utilité publique. La procédure exige à ce que l'État a évalué valeur Yandako, valeur Amabele, Azong c'est la Bango Mbongo wana avant à Kubuka. Azong c'est la Bango Mbongo, à ce que le Bango préavis, Balongo, et puis l'État a yé Kubuka. Ba o batonga na bango moko bazwa mikanda ya mabeto ba korompa tout ça ba o wana pe okoloba ete to pese bango bino preavi mais bino bon ba jean bazaki bazaki korompi et tout ça bon bino to pese bino bongo lo insécurité to bino bino ata peut-être mbongo ya kokolo kuno foute la hier to bongo bino la dimension humaine doit primer quand l'État agit envers ses fils. Ces gens là ne sont pas des criminels. Donc et j'ai dit à Jikoko, quand vous parlez de constitution anarchique, il faut vraiment bien vérifier le mot anarchique. Et surtout qu'il y a pas que toute maison que vous avez cassée ne répond pas à cette définition d'une constitution anarchique. Et puis, il faut obtenir un jugement, monsieur Jikoko. Moi, je suis gouverneur, je donne l'ordre de casser. Non. C'est les juges
qui donne l'ordre de casser. C'est le juge qui donne cette qualification à anarchique ou pas. Pas Jekoko, pas Ngobila. Merci de nous avoir entendu. Merci beaucoup. Votre mot de la fin par rapport à traiter la mission à l'élo, l'émission à l'élo. Juste un remerciement à vous, à Bao, à la mission télévision. Et à madame Bibika Pinga. Mes salutations à tout le monde et à tous les Congolais. La lutte continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie numéro à Sikabo, s'abonner à la chaîne Nabino, ma mission télévision. Merci beaucoup. Ma mission TV, le miroir du monde.